Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir sur le plateau de Météo La Carte. Nous sommes en direct pour cette nouvelle édition. Bonjour Marine. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Jeudi 24 mars, temps du jour, c'est dégagé sur l'ensemble du pays. Il y a quelques nuages qui circulent quand même avec une petite ondée probable localisée sur le relief des Pyrénées. Douceur au programme, détail dans le journal du temps. C'est en Isère, face au massif de Belledonne, que nous commençons cette belle émission. Soleil de printemps, cimes enneigées et grand ciel bleu. En cette fin mars, les Alpes réservent forcément de beaux paysages. Et c'est dans ce cadre magique que Véronique et son beau sourire nous proposent donc une tarte tatin aux endives. Une recette renversante qui vous est servie par Maëva Lefroyenne. Excellent, ouais. Et voilà. Ça a super bien pris. Trop bien. Une tarte tatin d'endive au miel, dégustée au soleil face à la montagne. Ça vous dit ? Que demander de plus ? Ah oui, la recette. C'est facile, rapide, et puis c'est beau. Nous sommes tout près de Grenoble. Notre chef du jour s'appelle Véronique. Cette tarte, c'est le plat réconfortant et chaleureux qu'elle adore cuisiner. Je trouve que le tatin d'endive, justement, ça change du plat traditionnel, du gratin d'endive en béchamel. Véronique commence par couper les endives en deux et enlève le cœur. Ce qui permet finalement d'avoir une endive qui sera plus fondante en bouche. Et puis surtout, ça enlève également de l'amertume. Elle pèle et émince un oignon. Et pour sa tarte, Véronique choisit des oignons de Roscoff, de véritables bonbons bretons. L'oignon de Roscoff, il est également très sucré et très doux. Donc ça va participer à la douceur du plat. Elle les fait revenir dans du beurre avant de déposer les endives. Je les mets la face contre la poêle. Vous mettez à feu moyen. Vient le moment d'ajouter du curry, généreusement. Une étape qui rappelle de beaux souvenirs à Véronique. Ça va donner cette teinte jaune-orangée. Et puis bien sûr, ça va relever votre plat. Déjà, vous sentez cette odeur. Moi, ça m'évoque vraiment tous les voyages qu'on a pu faire jusqu'à présent. Les endives doivent cuire une quinzaine de minutes au total. À mi-cuisson, Véronique les retourne et saupoudre à nouveau de curry. Elle sale et elle poivre. C'est un sel, pour la petite histoire, qui vient du village, puisque c'est une voisine qui le fabrique, avec des plantes de Belledonne, et puis également du thym, du laurier. Les endives sont fondantes. Véronique ajoute une bonne cuillerée de miel. Là, c'est un miel toute fleur que mon voisin cultive, récolte tout du moins, et ça va apporter une petite touche, bien sûr sucrée, mais surtout très savoureuse. Elle beurre et saupoudre de sucre le fond d'un moule à manquer. Ça va faire caraméliser les endives. C'est comme la recette de tatin aux pommes, mais avec des légumes à la place des pommes. Donc là, je prends chacune des endives et je les dispose en étoile. Elle dépose ensuite sa pâte. Le plat est prêt, il n'y a plus qu'à enfourner. Thermostat 6 à 180 degrés pendant une demi-heure. Le temps de faire une petite balade à deux pas de là. Véronique, ancienne athlète, et son mari Jean-Marc, guide de haute montagne, profitent du cadre propice au sport en toute saison. Ils nous emmènent au pied de la chaîne de Belledonne pour nous faire découvrir leur autre passion, la randonnée à ski. Ça fait 4 mois où on est sur la neige, ski au pied, alors dans des conditions différentes, soit en ski de randonnée comme aujourd'hui, soit en ski hors piste. Soit avec des crampons en fer au pied pour aller sur les cascades de glace quand les cascades sont gelées. En montagne, il y a des choses à faire à toute saison. Tout dépend à quel endroit, quelle orientation on va et tout ça. Donc en fait, c'est un milieu très riche. La montagne, Jean-Marc y passe énormément de temps. Voilà 20 ans qu'il est guide et s'adapte à toutes les conditions. Mais il voit le changement climatique éroder ces massifs qu'il adore. Ça change un petit peu plus vite en montagne qu'ailleurs. Tout est un peu exacerbé. Et puis on a des marqueurs, des choses qui nous permettent de remarquer ce qui change. Par exemple, les durées d'enneigement, à quelle période c'est enneigé, quelle épaisseur. Voilà.
Donc tout ça, on le sent vraiment. Et puis il y a les glaciers qu'on voit fondre. Et puis des pans de montagne qui tenaient avec de la glace mêlée aux rochers, où il n'y a plus de glace et qui sont moins stables. Donc on est vraiment aux premières loges pour observer ça. Par amour pour la montagne, le couple s'est installé en Isère il y a 25 ans. Ils ont rénové cette ferme où ils ont aménagé un gîte et même construit un poulailler. Retour en cuisine, la tarte est prête. Moment décisif de toutes les tatins, le retournement. Ouf, elle est entière, vient l'heure de goûter. L'inspecteur des travaux fini alors ? C'est super bon avec un petit peu de salade à côté, ça va tout bien. Non, alors là, en fait, collé contre le mur de la maison, à tout moment de l'hiver, on mange dehors. Il n'y a pas beaucoup de soleil, mais entre midi et deux, on a toujours le soleil, donc on essaye de bien profiter de la vue. Et là, on est face à Belledonne, c'est quand même extraordinaire. Extraordinaire, on confirme. Donc c'est un petit peu la recette idéale pour les déjeuners au soleil. Et pour en profiter chez vous aussi, vous retrouverez toutes les étapes de la recette de Véronique sur notre site internet. Je pensais que vous l'appeliez Véro, qui est copine avec elle. Oui, c'est vrai. C'est un des premiers légumes qu'on récolte au printemps en Bretagne. Ce sont les épinards, à consommer crus ou cuits. Selon les goûts, les épinards sont très riches en oxydants et non en fer, comme le prétend la légende. Trucs, astuces et recettes, c'est tout de suite dans Météo à la carte. Cap sur la Bretagne pour tout savoir sur l'épinard. Parmi les premières régions productrices en France, elle concentre à elle seule 22% des cultures du territoire. Les épinards-là, on les a plantés en octobre. Les meilleures feuilles, c'est les feuilles jeunes qui sont pile poil au centre. Plus elles sont sur le bord, plus elles sont grandes. Sucré. C'est surtout la tige qui est sucrée. Mais en même temps, c'est un peu plus fibreux. Les Français sont d'ailleurs les premiers consommateurs d'épinards en Europe. Ces petites recettes, ces incroyables bienfaits, ce légume a pourtant encore bien des secrets à nous révéler. J'ai pas enlevé les côtes parce qu'elles sont bourrées de fibres. En fait, les fibres, ce sont des petits balais qui nettoient l'organisme. L'imagerie populaire lui a longtemps prêté une incroyable richesse en fer. C'est faux, alors qu'en revanche, et c'est moins connu, il est bourré d'antioxydants. Un antioxydant, c'est une substance qui est produite par la plante quand elle veut se protéger des agressions extérieures, des parasites, de la sécheresse, du vent. Et ces substances qui vont protéger la plante vont continuer à être actives à l'intérieur de notre organisme quand on va les consommer. En mangeant beaucoup d'antioxydants, en fait, on vieillit mieux. À Tréguin, dans le Finistère, Jérôme fait partie des innombrables producteurs d'épinards de Bretagne. Alors que la majeure partie de la production de la région est destinée à la transformation, notre agriculteur favorise, lui, la vente directe. Je sais pas, les Bretons mangent plus d'épinards que les autres. En tout cas, moi, j'en fais beaucoup. On va dire c'est du bio, c'est du local, c'est du propre. Mais il y a des concessions à faire. Hein, et regardez, tout ça, c'est du plastoc. On fait au mieux, mais on n'est pas non plus affranchi complètement de... Enfin, des saloperies qui vont finir dans la mer, quoi. Je suis déjà content de faire des bons produits. J'ai pas envie de faire autre chose. Entre fin d'hiver et début de printemps, l'épinard constitue une bonne source en nutriments et en vitamine C. Mais encore faut-il savoir bien le préparer. Voici Cécile, nutritionniste. Elle donne également des cours de cuisine. Il faut toujours accompagner les épinards d'un peu de gras. Les antioxydants, ce sont des molécules qui sont liposolubles, donc solubles dans le gras. Donc ça ne sert à rien de faire du sang gras, on ne pourra pas bénéficier de leurs bienfaits. Il y a toujours un débat entre cru et cuit pour les légumes. Eh bien, ça dépend. Donc là, en l'occurrence, en consommant des épinards crus, en fait, je vais pouvoir bénéficier de l'action de la vitamine C. Mais si je veux bénéficier des antioxydants, là, c'est plutôt sous forme cuite. Avec cette poêlée d'épinards, Cécile agrémente un risotto. Plat complet équilibré, dans le sens où vous avez à la fois le féculent, à la fois la protéine et à la fois le légume. En faisant la cuisine, on prend conscience de tout ça aussi, de ce qu'il y a dedans, du temps qu'il a fallu. On y met un petit peu de nous dans ce plat. Après les tomates séchées et la copa, le parmesan va souligner les saveurs herbacées de l'épinard. C'est là que le côté crémeux arrive. On parle d'équilibre alimentaire, c'est l'équilibre à la fois dans les quantités et dans ce qu'on mange, mais aussi dans les techniques de cuisson. De temps en temps du cru, de temps en temps du cuit.
Ce sont généralement les jeunes pousses de printemps que l'on consomme crues en salade. Mais dans le Finistère, Jérôme récolte encore ses épinards d'hiver, plantés en octobre. Donc je coupe au ras et après ça repousse. L'avantage de l'hiver, c'est que là, c'est la 4e ou 5e coupe. Du coup, c'est vachement rentable en termes de plants. Enfin, on plante une fois et puis tout le mois d'avril, ça va donner. Hein. L'épinard était justement baptisé au Moyen-Âge l'herbe à carême, car on le trouvait en abondance entre l'hiver et le printemps avant Pâques. On ne se rend pas compte, hein, mais en hiver, il y a énormément de légumes, alors qu'au printemps, on n'a quasiment plus de légumes et ça correspond à peu près au carême, c'est-à-dire mars, avril. Là, il ne fait pas si doux que ça, hein, ça gèle le matin. C'est trop tôt, quoi. Et c'est un peu la vacherie, c'est qu'au printemps, par contre, il y a plein de boulot. Donc il faut du monde pour bosser, mais il n'y a pas grand-chose qui rentre. Heureusement donc que l'épinard est là pour jouer les premières stars du printemps. Mais attention, en cuisine, il doit être conservé au frais et être consommé dans les 2 jours après sa récolte. Sinon, il vaut mieux le consommer surgelé. C'est un des gros défauts de l'épinard. Là, en quelques heures à température ambiante, ça a déjà vieilli. Vous voyez, cette feuille, elle s'est flétrie. On voit qu'elle est transparente. Ça indique en fait que les nitrates qui sont présents dans l'épinard ont été transformés en nitrites par les bactéries. On sait que c'est cancérigène, hein, les nitrites. Même cuits, les épinards, il ne faut pas les laisser à température ambiante. Voilà, donc on voit que ça réduit énormément à la cuisson. Ça représente 300 grammes à peu près. Donc je vais rajouter les épinards à la préparation à la base de ricotta et d'œufs. Donc ça fait environ 200 grammes. Cécile, notre nutritionniste, utilise cette préparation mixée pour faire des samoussas à l'aide de feuilles de brique. Hop, c'est un pliage, comme ça. Il suffit ensuite de quelques minutes à la poêle. C'est prêt. On va se régaler. Et c'est riche en antioxydants, non pas en oxydants, comme j'ai dit. Faut que j'en prenne vraiment. La Corrèze, maintenant, où François-Xavier dirige l'unique filature de laine d'alpaga de France. Et oui, cette filature est un véritable projet de vie. François-Xavier est donc à la tête d'un troupeau de 18 alpagas, des animaux originaires de la cordillère des Andes, qui ne craignent pas le froid et qui se sont très bien adaptés au climat corrézien. La preuve en image avec Marjorie Lequet. C'est un vieux rêve d'enfant, de produire de la laine, et quitte à produire de la laine, autant produire la plus belle qui soit, c'est-à-dire celle qu'on nomme la fibre des dieux, la fibre des alpagas. Bienvenue à Goule, en Corrèze. C'est dans ce décor préservé que François-Xavier, ancien architecte bruxellois, a décidé de fonder l'unique filature de France dédiée exclusivement à la laine d'alpaga. Une aventure exceptionnelle qui a bien failli ne jamais voir le jour. Les premiers animaux sont arrivés en avril 2017 et la grande aventure commence. Donc là, ça a été la découverte du quotidien de ces animaux parce qu'on ne les avait jamais soignés qu'occasionnellement. Donc voilà, il a fallu s'atteler à la tâche. Le rêve devient réalité. Mais en octobre 2018, terrible coup du sort, Vincent, son mari avec qui il avait conçu ce projet, décède brutalement. On avait tout imaginé. On avait imaginé de bouffer de la vache enragée, de manger des radis, mais certainement pas qu'un de nous deux s'en irait si vite. Et malheureusement, à 51 ans, il est décédé d'une crise cardiaque. Imaginer les prés vides, c'était juste pas possible. Donc il fallait aller jusqu'au bout du projet. Et le seul mérite que j'ai, c'est d'avoir relevé ce défi, de dire ben, « oui, je suis tout seul, mais finalement, rien n'est impossible ». Et donc j'ai décidé de monter le projet de la filature. Aujourd'hui, François-Xavier est à la tête d'un troupeau de 18 alpagas, mammifères de la famille des camélidés. L'alpaga est originaire de l'altiplano, en fait, de la cordillère des Andes. Donc c'est vraiment Pérou et Bolivie qui sont leurs berceaux. C'est des différences de température qui peuvent être de 50 degrés entre le jour et la nuit. Voilà, ce sont des animaux qui ne craignent absolument pas le froid. Ils sont donc tout à fait adaptés à la région. Il y en a de gros élevages en Angleterre aussi, en Nouvelle-Zélande également. Enfin, c'est vraiment un animal qui s'adapte à peu près partout. En France, plus de 7000 alpagas sont élevés pour la qualité exceptionnelle de leur laine, réputée extrêmement douce, résistante et chaude, et qui fut longtemps réservée aux plus nobles. La grande période de gloire de l'alpaga, ça a été la période Inca. C'était 1438-1533, arrivée des conquistadors. À l'époque, la fibre était réservée à l'empereur et sa famille. Et c'est là que la fibre prend ce nom magnifique de fibre des dieux.
Pesant de 70 à 80 kilos, les alpagas sont des animaux curieux et calmes. Ce sont des animaux grégaires. Donc en fait, il y a un responsable. Si elles décident de rester dehors sous la pluie, eh ben, ils vont tous rester dehors sous la pluie. Si je veux les faire rentrer tous, je la fais rentrer elles. Et justement, il est temps de rentrer, car aujourd'hui, François-Xavier a prévu une petite séance de manucure. Adrien, un voisin, est venu lui prêter main forte. Alors du coup, en fait, ils font partie de la famille qu'on appelle les artiodactyles, c'est-à-dire qu'ils ont deux doigts égaux. Leur ancêtre, en fait, avait cinq doigts comme le nôtre. Il a perdu le pouce et les deux autres se sont soudés. Et donc, du coup, ils ont deux ongles qui poussent exactement comme les nôtres et qu'il faut couper. Ils sont vraiment montés sur des coussinets, comme les chiens et les chats. Donc, on n'a pas de sabots. Si nous avons tous le souvenir du capitaine Haddock en train de se faire cracher dessus par un lama... L'alpaga, lui, ne crache que très rarement sur l'homme. Donc il y a toute une série de choses dans leur langage qui sont les oreilles, qui sont les cris, ce qu'on appelle le humming en fait. Ils vont faire hum, hum. Et puis après, le crachat, c'est vraiment la colère ultime en disant dégage, tu m'ennuies. Tondue une fois par an, après les seins de glace, la toison des alpagas est ensuite transformée en bobine ou écheveau, ici même, juste au-dessus de l'étable. Voilà, la fibre des dieux méritait un temple, et du coup, nous avons bâti ce temple dans la grange pour honorer cette fibre magnifique. C'est derrière ce décor féerique que François-Xavier file les toisons de ses alpagas, mais aussi celles de troupeaux des quatre coins de l'Hexagone. Elle a été lavée et là, elle sèche naturellement dans les paniers. Et tous les matins, la première chose que je fais, c'est vraiment d'ouvrir la toison pour lui permettre de sécher bien à cœur. Avec la température qu'on a aujourd'hui dans la filature, ça met à peu près 7 jours. Donc du coup, la première étape, ça va être l'écharpillage. C'est ce que faisaient nos grands-mères au coin du feu, en fait. Elles séparaient les fibres les unes des autres. Une à une, les fibres de laine sont ensuite triées. Il y a tous ces rouages qui vont trier la fibre. La fibre de moins belle qualité va tomber en bas. On s'en resservira pour faire du feutre également. On va valoriser. On perd à peu près 20%. Et on récupère cette chose absolument magnifique, qui est ce nuage, en fait, qui est ce qu'il y a de plus beau dans la toison et qui nous servira à faire le fil. Transformés en ruban cardé, puis filé, les brins sont réunis par deux ou par trois pour ne former plus qu'un. Quelque chose qu'on tord a envie de se détendre et de reprendre sa position initiale. On le passe à la vapeur, ça va nous permettre de fixer la torsion. Bobines et écheveaux n'ont plus qu'à être tricotées. La feutrine, elle, c'est à Christine que François-Xavier la confie. Bonjour François-Xavier. Bonjour Christine. Qu'est-ce et que voilà tu... les dernières créations. Magnifique. On va regarder chaque fois que Christine me rapporte... des créations, c'est toujours une belle découverte en fait. Christine est costumière et s'est installée en Corrèze il y a une dizaine d'années. L'intérêt de la fibre du feutre d'alpaga en chapeau, c'est le poids, beaucoup plus léger, et une certaine brillance qu'on ne retrouvera pas forcément sur du feutre de laine de mouton. Et en unissant leurs talents, les deux amis décident d'aller encore plus loin avec le succès de cette première collection de chapeaux. Ils ont décidé de se lancer dans la confection de gilets et de coussins avec la laine du troupeau. On sera les premiers à travailler une matière faite à 100% Corrèze, 100% ultra locale à 500 mètres l'un de l'autre. Et vous ne pouvez pas laisser passer cette chance. Aujourd'hui, François-Xavier développe ce savoir-faire hors du commun. Guidé par l'amour et par ses rêves d'enfant, il a offert un royaume corrézien à la fibre des dieux. C'est tellement doux l'alpaga, on adore. Changement total de sujet. En cette année 2022, on commémore les 15 ans de la mort de l'abbé Pierre. Et donc, nous nous sommes rendus chez lui, à quelques kilomètres de Rouen, pour retracer le parcours incroyable du fondateur d'Emmaüs. Connu pour son célèbre appel de l'hiver 54, l'abbé Pierre n'a cessé d'œuvrer pour les plus démunis. Betty Lachguerre revient pour nous sur cette vie hors du commun. Je vous parlerai simplement en homme. Homme qui a été appelé par la vie la plus imprévisible pendant près de 50 ans à vivre avec les pauvres de partout. C'est un homme brave, il a donné toute sa vie pour aider les autres. L'abbé Pierre, c'est un acteur du progrès humain, c'est un message, c'est une énergie,
c'est une intuition, une vision. L'abbé Pierre, c'était un être exceptionnel. C'est un exemple. C'est un père spirituel. À l'hiver 2007, s'éteignait celui qui se surnommait « frère des pauvres » et « provocateur de paix ». À l'occasion des 15 ans de sa mort, Météo à la carte est allé sur ses traces, à quelques kilomètres de Rouen, là où il a vécu. Bienvenue dans la maison de l'abbé Pierre. Là où il a créé un centre Emmaüs et aussi auprès d'un homme qu'il a bien connu. Et vous découvrirez des images inédites de celui qui a laissé derrière lui une vie de combat contre la précarité. Tu sais, on travaille plus que ce qui nous suffirait pour pouvoir le donner à des gens qui n'ont pas. Qui n'ont rien. Alors, c'est une belle camionnette. Alors, c'est un client qui vient donner, ça. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? T'en as marre du fauteuil? J'ai acheté un canapé hier. On doit être ici. Chaque jour, dans ce centre Emmaüs, situé à Notre-Dame de Bondeville, plus d'une centaine de voitures s'arrêtent pour faire des dons. En tout, 130 mètres cubes de vêtements, de meubles, de livres, le tout géré notamment par Stipo. On trie tout ça ici, on essaie de choisir les plus belles pièces pour notre magasin, et ensuite les vêtements, on va les envoyer au relais. Tout ce qui n'est pas vendable, on va le recycler pour faire des isolations pour les voitures. C'est aussi dans ce centre que vivent et travaillent 50 compagnons âgés de 27 à 86 ans. Ici, pas de contrat ni de questions, mais le gîte, le couvert, des vêtements propres et une allocation. On a des clients qui sont plus nombreux en hiver. On a beaucoup de dossiers aussi qu'on fait de ce côté-là pour pouvoir aider des familles qui sont dans la précarité, dans le besoin vraiment. Il faut pas abîmer. Hein. Vous avez ciré? Il faut les nettoyer, oui. Il y a des chaussures, il y a des chaussons, il y a des bottes. Très bien, merci beaucoup madame. De rien, merci d'avoir pensé à nous. Cette organisation, du nom d'un village de Palestine, Emmaüs, apparaissant dans l'Évangile, existe depuis 1949. Aujourd'hui, elle est présente dans 41 pays du monde. S'il n'y avait pas de bénévolat, il n'y aura pas de communauté aujourd'hui. C'est une structure qui est énorme, qui apporte beaucoup à la société française, parce qu'il y a de réinsertion, il y a de l'humain, il y a cet amour de vouloir aider l'autre. Je viens de Bosnie, j'ai vécu dans la pauvreté. Et chance que j'avais, c'est de vivre dans une ferme autosuffisante. Je comprends tout ce qu'il pouvait dire Abbé à l'époque. C'est une grande fierté parce que je suis au service de personnes. Les images d'une vie, Henri Gruez, de son vrai nom. L'image de la vie de ce prêtre, c'est avant tout celle d'un cri lancé à l'hiver 1954. Mes amis, au secours, une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol. L'abbé Pierre, ce n'est pas que l'hiver 54, mais cette période-là de l'histoire de France a été très importante, aussi bien pour la France que pour l'abbé Pierre. L'écrivain François Mauriac disait que c'était un des plus grands moments de l'histoire cordiale de la France. Et puis ça fait chaud au cœur l'hiver 54, parce que même si c'est une histoire de froid climatique, mais il y a une chaleur émotionnelle puisque c'est une histoire avant tout de générosité. Philippe est directeur du centre Abbé Pierre Emmaüs, situé à Esteville, à quelques kilomètres de Rouen. Ce fut également le village adoptif de l'abbé Pierre. Et c'est depuis 11 ans le lieu de mémoire de celui qui est reconnu comme étant une des plus grandes figures humanistes du XXe siècle. Les combats de l'abbé Pierre sont assez divers. On peut noter la création de la première banque alimentaire de France en 1984. On a aussi la carrière politique de l'abbé Pierre, hein, puisque de 1945 à 1951, l'abbé Pierre est député. L'abbé Pierre, c'est quelqu'un qui a aidé des milliers de personnes, construit des milliers de logements, sauvé des milliers d'individus, créé des milliers d'emplois en France et dans le monde. L'abbé Pierre habitait ici de 1964 à son décès en 2007. Donc c'est un lieu qu'il aimait, qu'il appréciait, il se sentait bien. Il dit « ici, j'ai fait mon nid » en parlant de cette maison. Vivons chacun intérieurement, de manière à ne pas laisser passer sans y prendre garde ces instants où s'offre à nous, en foi vivante, la lumière sur l'être et sur la vie. C'est plein de souvenirs. Je suis venu ici dans les années 80. On était venu pour, soi-disant, une demi-heure. Il était tout content de nous voir. Et il nous a retenus pendant une heure et demie. Voilà, c'est la dernière fois qu'on l'a vu.
Mais mon histoire avec lui a débuté il y a très très longtemps. Patrick a lui aussi consacré une partie de sa vie à Emmaüs. Ici, vous voyez, je suis à côté de l'abbé Pierre. Et il l'a même hébergé alors qu'il habitait à Nice. Nous avons eu cet honneur d'avoir l'abbé Pierre chez nous, d'avoir la messe dans notre chambre, parler un petit peu théologie et il me tapait sur l'épaule en me disant « T'inquiète pas, je t'expliquerai ». Tout ça, ce sont des souvenirs de camp. Hein. C'était une idée de génie parce que c'était des jeunes qui n'avaient rien de particulier qu'on envoyait dans une région en disant « Vous allez organiser des camps ». Génial, on partait de rien et on arrivait à faire des camps merveilleux. Il nous avait dit « Vous avez le devoir d'être heureux, mais vous avez le devoir de ne pas être heureux sans les autres ». 15 ans après sa mort, l'œuvre de l'abbé Pierre persiste et son souvenir reste intact. C'est un exemple à suivre dans la mesure de nos moyens. C'est un monument, si je puis dire. Et on peut marcher dans les pas de l'abbé Pierre, c'est important pour construire un monde meilleur. Essayez en tout cas. Et faire aussi bien, ça serait déjà pas mal. On enchaîne maintenant en Alsace, où comme chaque année, au printemps, le bouleau offre un précieux breuvage. La sève de cet arbre est recommandée pour détoxifier l'organisme après l'hiver, comme nous l'expliquent nos équipes de France 3 Régions. C'est un goutte à goutte qui annonce le retour du printemps. Quand le bouleau se remet au travail, les bouteilles fraîches de cette substance, à la réputation un peu magique, garnissent les rayons des boutiques spécialisées. Elle est attendue. Depuis 15 jours déjà, on me demandait quand est-ce qu'elle arrive, est-ce qu'elle arrive. Quand je fais l'économie de cette cure, je sens beaucoup plus de fatigue, brouillard mental, j'ai plus de mal à terminer mes journées. C'est une eau à la saveur agréable, légèrement boisée et sucrée. On ne la trouve fraîche qu'en mars et en avril, et elle est utilisée depuis le Moyen-Âge. Mais les bienfaits de la sève de bouleau sont-ils attestés par les professionnels? Elle est à la fois diurétique et drainante, et donc permet à certaines périodes de l'année de faire des cures de détoxification. Ça va nettoyer le foie, les reins, les poumons, le sang, et donc c'est vraiment extrêmement bénéfique pour l'organisme. Un super aliment donc, un complément intéressant à une bonne hygiène de vie. En Alsace, 5 producteurs ont développé leur activité de récolte de sève et la saison commence doucement en raison des gelées. Faut pas louper le coche, donc c'est un peu stressant hein, comme chaque année parce qu'on est sur le qui-vive. On sait que des fois ça peut commencer fin février comme début mars, voire même des fois mi-mars. Mais du moment que c'est parti, quand on sait que ça commence à couler, après on est parti sur une récolte d'à peu près 2 semaines, 3 semaines non-stop. Quoi. La cure s'étend sur 21 jours. Pour un coût de 45 euros. Mais comme tout produit actif, la sève de bouleau connaît des contre-indications à ne pas consommer sans avis médical. Et nous partons maintenant dans les Pyrénées-Atlantiques, à Pau précisément, à la découverte d'une laiterie urbaine. Oui, Axel et Joanie travaillent en toute transparence, et ce dans tous les sens du terme, figurez-vous, parce que leurs clients peuvent même assister à la fabrication du fromage qu'ils ont créé ensemble, le Petit Palais. Et au printemps, avec le retour des bêtes dans les champs, le lait est plus parfumé et donne à leur fromage un goût inimitable. Et bonjour, qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui? Alors, voyons. Là, on a vraiment les petits palais qui ont 2 semaines et demie d'affinage, qui sont bien crémeux. Depuis moins d'un an, un commerce d'un nouveau genre a vu le jour au cœur de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Axel et Joanie ont créé ce que l'on appelle une laiterie urbaine. Ici, on vend des fromages des quatre coins de la France, mais surtout les deux hommes fabriquent et affinent, devant les clients, leur propre création laitière. Nous amène la campagne dans le sens honorable du terme, en ville. On a ce côté rassurant au niveau de la boutique, ce côté où on peut tout voir, où il y a un écran, où on les voit travailler. Axel a 31 ans, il vient du Tarn et il est fils de fromager. Joanie, 28 ans, est lui fils de producteur laitier aveyronnais. Le lait coule dans leurs veines. Alors après des études ensemble en fromagerie en Franche-Comté, les deux copains de promo ont eu cette idée un peu folle.
Et un jour, Joe, il m'a dit qu'il faudrait vraiment qu'on arrive à faire notre propre fromagerie au cœur d'un centre-ville, où on puisse montrer la fabrication, qu'est-ce que c'est fabriquer du fromage et qu'est-ce que c'est affiner du fromage, et ramener un petit peu notre savoir-faire, notre passion proche des clients. Ils décident alors de poser leurs bagages à Pau et investissent leurs économies dans un local à l'abandon. Ça restait aussi accessible et un quartier en devenir par rapport à des villes comme Toulouse ou Biarritz. Le local aujourd'hui, on a 200 mètres carrés de fromagerie, donc en plein centre-ville. Donc c'est pas partout qu'on arrive à créer une fromagerie comme ça. Leur spécialité, un fromage au lait de vache, sorte de coulommier appelé le Petit Palais. On voulait faire un petit clin d'œil au monument qu'on a à Pau. Et à Pau, on a le Palais Beaumont, qui est justement particulièrement blanc. Pour la fabrication, ce matin, c'est à Joanie de jouer. Tous les jours, il faut faire chauffer le lait. On va faire une fabrication avec 160 litres de lait de vache bio que l'on va chercher toutes les semaines à Sévignac-Mérac. Sévignac-Mérac, c'est à seulement 30 minutes de la laiterie, en pleine campagne béarnaise, où l'herbe est bien verte, arrosée par des pluies fréquentes. Salut Sébastien. Salut. Salut les gars. Comment vont nos belles vaches ? L'objectif des deux hommes, c'est avant tout de transformer un lait qui fait le moins de kilomètres possible. Ils participent ainsi à l'économie locale. Ils sont très courageux, oui, parce qu'ils ont démarré de zéro. C'est une très belle aventure qui commence. C'est une très jolie initiative d'essayer de valoriser le lait localement et d'en faire profiter les producteurs du coin. Sébastien, éleveur en bio de père en fils, bichonne des Primolstein à la robe noire et blanche, mais aussi ses belles brunes. En 2016, là, on a introduit une nouvelle race, c'est la Jerseyaise. C'est une race originaire de l'île de Jersey, qui a la particularité d'avoir un lait plus riche et plus digestible aussi. Et les vaches de Sébastien prennent l'air depuis le début du mois. On a un très bon début de pâturage. Beaucoup de pluviométrie quand même cet hiver. Et avec une jolie période de beau temps qui a permis de pouvoir sortir les bêtes aussi de bonne heure, quoi. Résultat, un lait de printemps parfumé pour la fabrication de Joanie. Là, on est presque prêt là. On va y aller. C'est l'entrée en scène du fromager. Évidemment, ce n'est pas une guitare, cet instrument. Il sert à trancher le caillet du lait après fermentation. Il faut ensuite brasser le tout à la main. C'est aussi ce qui nous plaît dans ce métier-là, c'est qu'on a directement la main en contact toujours avec la matière. Joanie moule à la louche ses fromages. Il pourrait utiliser des outils plus rapides, mais cela demande un gros investissement. Nous, on n'aurait pas la capacité d'avoir tous les beaux équipements pour tous les fromages que l'on fabrique, quoi. On ne peut pas pousser les murs. On a essayé de trouver un minimum d'outils qui nous permettent de faire un maximum de fabrication. Joanie et Axel retournent 4 fois chaque fromage pour bien les égoutter. Hop, ça va nous faire des jolis petits bérets. Les fromages sont affinés et retournés tous les 3 jours pendant 2 semaines dans le Haloir. On est dans une ambiance à 15 degrés, à un maximum d'humidité possible. Donc, c'est-à-dire on est entre 90, 95, voire à saturation pour le développement des flores que l'on souhaite. Ah, nos petits palais. Les petits palais sont vendus 3 euros pièce. C'est un prix juste qui va nous permettre de rémunérer le producteur et à la fois nous permettre de payer toutes nos charges et à la fois de pouvoir gagner notre vie. Et ça reste un prix abordable et réaliste par rapport à la qualité. Une qualité appréciée par de nombreux restaurateurs palois. Et bonjour Brice. Salut. Allez, je t'apporte les jolis petits palais. Bon, ça m'a l'air bien tout ça. On goûte ? Allez, on goûte ça. Brice, chef cuisinier, a immédiatement adopté les fromages de nos passionnés. Très bien, très crémeux, une bonne tenue, c'est parfait. Le chef va réaliser un apéritif tout simple pour sublimer ce fromage. On va le transformer en kromeski. C'est un fromage qui a de la tenue, donc pour cela, on va le couper en deux. Pour relever le goût du fromage, il ajoute du basilic et du piment d'Espelette. Ensuite, l'idée, c'est de faire une panure à l'anglaise, donc avec farine, œufs et chapelure. On plonge le fromage pendant quelques minutes dans une huile à 180 degrés et c'est prêt. C'est très gourmand, puis bon, c'est des assiettes à partager, donc ça se déguste à plusieurs. Avec leur idée innovante, Axel et Joanie séduisent déjà la capitale béarnaise. Leur laiterie urbaine semble avoir de beaux jours devant elle. On pourrait les regarder comme ça, vous voyez, la tête collée au truc pendant des heures. On enchaîne dans le Var, à la rencontre d'un personnage haut en couleur. Yveline, c'est son prénom. Yveline est mosaïste. Elle crée des meubles ou des objets de décoration avec un seul objectif, obtenir le plus beau mariage des couleurs.
sa matière première, le carrelage de Salerne qui doit tout au climat de la région. Météo La Carte vous présente une artiste au grand cœur. Je leur fais pas de mal. Ils savent que c'est une deuxième vie que je leur donne. Si Yveline jouait au poker, dans son jeu, elle n'aurait que du carreau. Voilà près de 20 ans qu'elle s'est installée comme mosaïste à Aups, un petit village perché du Haut-Var. Un vrai coup de poker car elle a quitté le tumulte d'une vie de styliste à Toulon pour la quiétude des sommets provençaux. Mais dans sa vie, il n'y a pas que des carreaux. Il y a aussi des coups de cœur inspirés par la météo locale. Je cherchais un village où m'installer pour faire une période estivale. Il faisait un mistral, c'était épouvantable. Et puis j'arrivais à Aups et il y avait un petit peu de soleil comme aujourd'hui. Et j'ai dit, ah, mais c'est là que je voudrais être. C'est un petit peu le bout du monde, mais c'est bien comme ça. Ceux qui y viennent, ils y restent, ils le choisissent, ils y restent. Vous pouvez toujours les chercher. Vous ne trouverez pas de cigales ou de rameaux d'olivier dans l'œuvre d'Yveline. De la Provence qui l'a accueillie, elle en a banni les clichés pour n'en retenir que l'esprit. Celui d'un pays où le bleu acier du ciel se mélange au vert profond des forêts, nourri par les pluies hivernales. Les couleurs, c'est la vie. Moi, j'aime faire ça. J'aime faire des choses abstraites. Les gens, quand ils rentrent ici, ils disent « Oh là là, toutes ces couleurs !» Surtout les Parisiens, on dirait qu'ils vivent dans du taupe et du gris, du blanc, quoi. Les bleus, rouges, jaunes et verts de ses carreaux tranchent sur les murs blancs de sa galerie. Dans ce qui fut jadis le marché couvert du village, elle a installé son atelier. Il y a 20 ans, lorsqu'Yveline a fait une croix sur une vie de créatrice de maillots de bain, c'est encore un artiste du soleil, catalan celui-là, qui a illuminé sa fibre créatrice. J'ai été apprendre mon métier chez des fans de Gaudi. Mais j'ai dit, c'est ça, ça me plaît, c'est ça que je veux faire, quoi. Une mosaïste a nécessairement le coup d'œil, mais elle a aussi le coup de main, celui qui permet de tenir fermement sa pince coupante et de briser net le carreau. On a peur quand on me voit couper dans un carreau, on dit « Oh là là, quel dommage !» Mais en fait, je ne perds jamais rien. J'ai des boîtes avec mes couleurs, je m'en sers comme de la peinture. Une fois assemblée comme un puzzle sur le dessin de sa planche en bois, la mosaïque sera enduite d'un joint qui égalisera les niveaux. Si son travail est particulièrement lumineux, Yveline le doit aussi à sa matière première. Des carreaux, oui, mais pas n'importe lesquels. Il n'y a que les carrelages de Salerne qui m'intéressent. Je trouve toutes les couleurs qui suffisent à mon travail, quoi. Salerne, c'est la terre promise des potiers de Provence depuis des siècles. Situé à 15 minutes du village d'Yveline, ici on ne parle pas de terre sainte mais de terre rouge, une argile saturée d'oxyde de fer qui affleure au pied des forêts. C'est l'univers de Jacotte, elle est fabricante de carreaux. Venez Yveline, donc ça c'est l'atelier de cuisson, c'est là où il y a le four. Ah ben voilà, à chaque fois c'est l'émotion, parce qu'on ne sait jamais ce qui va vraiment sortir. Ça c'est Vercelladon. Ça, c'est Bleu Lagon. Ah, vous entendez chanter? C'est merveilleux. J'adore. On est fabricant de carreaux. Nous, on est de la faïence, c'est-à-dire qu'on cuit à 1000 degrés. Après, vous avez le grès, qui est à 1250, et après, c'est la porcelaine. Et chaque dénomination correspond à une température. Salerne fut longtemps la capitale de la tomette provençale, grâce à la proximité des carrières d'argile, mais aussi des forêts coupées chaque automne pour alimenter les fours. On a compté jusqu'à 80 ateliers. Il n'en reste plus que 4, dont celui de Jacotte et de son mari Alain Vague, à qui on attribue un surnom très révélateur. On appelait Alain le fou du carreau. Effectivement, ici on part du principe qu'on peut tout carreler. C'est un piano. Là, il faut que vous m'aidiez parce que c'est un peu lourd. Qu'est-ce que tu veux? Il faut être costaud, là. Hein. Tu veux quoi? Je veux le soulever. Attention, les doigts. Le piano, il fait de la musique. Chez lui, il a carrelé un bateau et même un avion de chasse. Yveline a des ambitions plus modestes, plus accessibles, mais tout aussi poétiques
Ces morceaux de céramique assemblés sont comme autant de fragments d'une vie. La mosaïque, c'est presque une philosophie. Ça a changé ma façon d'être, ça a changé mon regard sur la vie, mon bonheur de vivre, voilà. Et avant notre journal du temps, c'est la spécialité alsacienne par excellence qui vous attend, la célèbre choucroute. Plus que garnie, celle qu'on vous propose aujourd'hui est carrément gastronomique. Elle a d'ailleurs été élue plus belle choucroute du monde. Rien que ça. Bon ben messieurs, voilà, ce midi, la choucroute garnie d'Alsace. Super. Et comme je l'aime. Justement, elle est bien blanche, croquante, parce qu'on a toujours tendance à trop la cuire. Et après, ben, c'est le mélange des saveurs. Tout ça, ça fait un ensemble magnifique. Bienvenue à Morlenheim, à 20 km de Strasbourg. Rien que pour vous, le chef Joël Philips, 34 printemps, va vous confier les secrets du plat emblématique de sa région natale. La choucroute, c'est quelque chose d'institutionnel en Alsace. Et notre chef du jour perpétue ici avec amour l'histoire gastronomique d'un des plus anciens établissements étoilés de France. Cet établissement est un restaurant depuis 1739, donc avant la Révolution française. Et donc on est assez content d'être toujours là, d'avoir toujours autant de dynamisme et justement de faire parler du terroir d'Alsace à travers notre cuisine. Michel Husser, 60 ans, a suivi naturellement les traces de son père Robert. Il est la quatrième génération de chef dans la famille. Et c'est à lui que l'on doit la décision d'imposer la choucroute à la carte du restaurant. J'ai beaucoup voyagé. Mon père m'a dit « il faut absolument que tu ailles dans la marine ». J'ai fait un petit tour du monde. Et mon grand plaisir, c'était de manger dans les restaurants locaux. Et je me suis dit « écoute, tu vas rentrer à la maison ici. C'est une maison alsacienne avec des colombages. » C'est pas fait pour servir des sushis. Sauf que pour les gens, la choucroute, c'était pas un plat gastronomique. Paris osé, mais Paris gagné. Car la choucroute de Michel a été sacrée plus belle choucroute du monde. C'est vraiment un honneur, mais une responsabilité aussi, de faire perdurer cette maison. Quand on rentre dans cette cour, ça ouvre le cœur, ça nous donne la pêche pour toute la journée. Alors, direction la cuisine. Joël débute sa recette en éminçant des oignons. L'oignon, c'est tout simplement pour adoucir le côté très acide du chou. Et ça va permettre d'avoir une belle longueur. Le chef fait revenir oignons et ail haché dans du saindoux. Alors là, une étape très importante pour moi maintenant, on va mettre le chou, les charcuteries, c'est de prélever la moitié de l'oignon et de l'ail qui a été sué dès le départ pour le remettre au milieu. On aura ainsi une belle uniformité sur toute la cuisson au four. C'est le moment pour le chef d'ajouter la fameuse choucroute. Salut Sébastien. Joël, je te ramène un peu de choucroute d'Alsace IGP. Magnifique. Alors, si tu veux, on peut garder. On va voir, hein. Elle est belle, elle est longue, elle est fine. Pour Sébastien, la choucroute est aussi une histoire de famille, car chez lui, on est producteur de choux de père en fils depuis 5 générations. Ça a été récolté plutôt en fin de saison. On récolte d'août à novembre. Et donc, on obtient effectivement ce chou qui a fermenté entre 2 semaines et 2 mois. C'est la température qui va activer la fermentation, en fait. Donc, plus il fait chaud, plus la fermentation va se lancer rapidement. En 2018, la choucroute d'Alsace a obtenu son IGP, Indication Géographique Protégée, une reconnaissance de cette tradition et de ce savoir-faire séculaire. Car dans la région, c'est depuis le 15e siècle qu'on se régale de ce plat. Souvent, on va entendre parler que la choucroute vient de Chine. C'est une grosse erreur. Ce qu'on a découvert en Chine, c'est le process de fermentation. Ensuite, ce process de fermentation du Chine jusqu'en Europe et jusqu'en Alsace. Et en Alsace, historiquement ayant du chou sur le territoire, on a découpé ce chou, on l'a fait fermenter. Et c'est ce qui a donné effectivement cette choucroute d'Alsace. Bon, bah, écoute, Seb, merci pour cette belle choucroute. Et puis, je vais essayer d'en faire le plus bel usage possible. Mais écoute, j'ai pas de doute. Sublime notre... Beau produit, la choucroute d'Alsace IGP, et je te dis à bientôt. Joël place la choucroute dans la cocotte avant d'y ajouter les premières pièces de charcuterie. Donc on a notamment le jarret de porc demi-sel qu'on va mettre en plein milieu, le collet fumé et le collet salé qu'on va mettre de part et d'autre du jarret. Ça, c'est les charcuteries qui cuisent le plus longtemps. Là, on est vraiment sur 1h30, 2h de cuisson. Il ajoute aussi du lard salé et du lard fumé. Et il recouvre le tout avec les oignons. Là, j'ai fait la choucroute complète. C'est vraiment une choucroute gargantuesque. Chez vous, vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Pour moi, il est simplement important d'avoir une charcuterie fumée, une charcuterie salée
et la knack, éventuellement, parce que ça, c'est quand même le traceur, l'ADN de la choucroute. Alors là, on a un mélange de baie de genièvre, clou de girofle, graines de coriandre, graines de poivre et un tout petit peu de graines de moutarde. Donc ça, je vais le nouer dans mon petit filtre à thé. L'important, c'est de mixer les épices un petit peu avant pour que ça dégage plus rapidement les arômes. Le chef verse un demi-litre de vin blanc sec d'Alsace et un bouillon de volaille. C'est parti pour une heure et demie de cuisson à 160 degrés. Pendant ce temps, il poche les saucisses et du boudin et prépare quelques quenelles de foie de porc avant d'éplucher les pommes de terre. Dans toutes les familles alsaciennes, il y a quelque chose qui s'est passé avec la choucroute. C'est le plat du dimanche. Alors traditionnellement, je sais qu'on mangeait ça le 1er janvier, parce que c'est un plat qui détoxifie le corps. Mais après, c'est devenu vraiment un plat du dimanche, quoi, le plat de fête. Il est temps d'ajouter le kessler, c'est-à-dire le filet de porc fumé et les pommes de terre. Et c'est reparti pour 30 minutes. Le chef n'a plus qu'à poêler les boudins et les quenelles de foie poché. Voilà, c'est prêt. Et je crois qu'elle est meilleure que ce que quand je la faisais moi. Donc, tout va bien, c'est l'essentiel. Je préfère ça que vous voyez le contraire. Donc non, c'est parfait. Merci. C'est tout l'accueil alsacien qui du coup est mis dans cette choucroute. C'est pas seulement une choucroute dans une assiette, c'est vraiment quelque chose qui est mis en scène. Ça fait partie de notre ADN, c'est notre culture alsacienne. Du coup, là, on est ravis, quoi. Et à 13h43, il est l'heure de découvrir le temps des 9 prochains jours, début du mois d'avril compris. Aucun rapport avec la choucroute. Déjà, oui, exactement. Mais quand même, et c'est évidemment dans notre journal du temps que ça se passe. Si d'ailleurs, un petit rapport avec la choucroute, parce que peut-être pas ce week-end, mais la semaine prochaine, vous serez content d'en manger, rapport au temps. Ah, hein ? Oui, c'est vrai que ça va se rafraîchir. En attendant, aujourd'hui, c'est quand même bien bleu. Ouais, c'est dans quelques minutes, mais c'est vrai qu'on va, redescendre vers des valeurs de saison, parce qu'on n'est pas du tout dans les températures de saison. Hier encore, 20 degrés à Lille, on est 9 degrés pratiquement au-dessus des normales de saison. Ça fait beaucoup. Conditions printanières sur l'ensemble du territoire, il n'y a pas de jaloux là, véritablement. Alors, il y a quelques petits bémols à apporter aujourd'hui, on va regarder l'animation satellite. Alors, les quelques nuages qui s'infiltrent, ce sont des nuages d'altitude, ils sont présents principalement sur la barrière pyrénéenne, ça remonte d'Espagne. Vous le voyez, en bordure du golfe du Lion avec un léger voile nuageux. Et encore, ce n'est pas super convaincant, le ciel est clair, vous le voyez, sur l'ensemble du territoire. Les quelques nuages pour cet après-midi, on va les retrouver principalement sur le sud-ouest, avec peut-être, localement, une petite ondée. C'est peu probable, mais ça sera très chargé, vous le voyez, sur l'ensemble de la barrière. Un voile nuageux des Pyrénées-Atlantiques jusqu'au littoral méditerranéen. Les Alpes-Maritimes devraient être à l'écart, ainsi que la Corse, avec un ciel qui restera bien dégagé, bien ensoleillé, tout comme l'ensemble du territoire, avec du grand soleil au programme et puis une grande douceur qui a envahi une bonne partie du pays. Le début du printemps est donc particulièrement ensoleillé. Vous avez pu en profiter, vous avez été nombreux et nombreux, effectivement, à bénéficier. On le découvre sur ces images qui ont été tournées en bête Seine, vous voyez, sur les galets ou sur la plage, vous avez pu profiter de cette journée bien ensoleillée, printanière, des températures dignes d'un mois de mai. On est à peu près dans les normales d'un mois de mai, donc vous voyez, on a facilement 2 mois d'avance avec ce temps extrêmement bien ensoleillé qui va se maintenir une nouvelle fois cet après-midi. Tant mieux, et ce week-end aussi, je crois. Aujourd'hui, le ciel est donc toujours aussi bleu partout en France, comme on vient de le voir, mais on va le vérifier avec une photo, à Ploumanac par exemple, dans les Côtes d'Armor, avec cette photo de Quentin. Ça fait rêver, Quentin. J'arrive. Oui, c'est pas mal du tout. On a un ciel qui est parfaitement dégagé. On a une mer calme, on le voit. Peut-être qu'il y a un petit peu de brume. C'était le cas en début de matinée, alors qu'il est... Le bleu est plus profond, beaucoup plus azur. Les températures pour cet après-midi sur la Bretagne et les Côtes d'Armor, on devrait facilement atteindre les 18 degrés. Profitez-en. Magnifique. Deuxième destination, je vous propose de partir à Charnat cette fois. C'est en Ardèche et c'est une photo signée Michael. Le soleil est également au rendez-vous. Ils sont en fleurs ou pas, les fruitiers là-devant? Dites donc, on dirait oui, bien. Ouais. J'ai bien l'impression. Le ciel bien dégagé, température à peu près équivalente à celle de la Bretagne. On sera aux alentours à Charnat, aux alentours autour des 17 degrés pour cet après-midi. Vous nous l'aviez dit, hein, pas de jaloux aujourd'hui. Pas de jaloux, oui, c'est très 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 homogène, voire même température légèrement supérieure sur la moitié nord comparativement à la moitié sud. Voici celle prévue sur l'ensemble du territoire. Effectivement, la minimale 15 degrés, ce sera pour les Pyrénées-Orientales. C'est vrai qu'on a plus souvent l'habitude que ça se trouve
trouve vers le nord ou le nord-ouest. Les 20 degrés dans de nombreuses communes, vous le voyez, ce sera le cas à Reims, Strasbourg ou encore à Colmar, ainsi qu'à Pontarlier, Besançon, Paris, Orléans. 20 degrés promis par Météo France aussi du côté de Chambéry, Grenoble ou bien Gap, les 20 degrés à Limoges et puis le long du Rhône, vous le voyez généralement à Orange, en Avignon ou encore du côté de Montélimar, 20 degrés au thermomètre. On n'en sera pas loin, vous le voyez sur la façade atlantique avec 18 à 19. Ce sont des températures très homogènes, excepté les 15 degrés pour les Pyrénées-Orientales. Généralement, il y a 2-3 degrés d'amplitude entre le nord et le sud, ou l'est et l'ouest. C'est assez remarquable. Température stationnaire comparativement à hier. Demain matin, la couleur du ciel, est-ce que ça bouge un tout petit peu ? Sur les régions du sud-ouest, vous le voyez, du littoral du golfe de Gascogne jusqu'aux Pyrénées, on va retrouver un voile nuageux. Alors, il sera extrêmement discret, ce sera un ciel un petit peu laiteux, c'est vrai, mais le soleil, vous le devinerez tout de même. Tandis qu'ailleurs, bah, aucun problème, ce sera parfaitement dégagé, tout juste quelques brumes côtières. On a un petit peu d'humidité, on a à nouveau le vent de secteur est-sud-est qui va s'établir. Et résultat, ça portera un petit peu d'humidité sur le littoral qui devrait assez rapidement se dissiper. Mais le voile nuageux, lui, devrait progresser. L'évolution dans le courant de l'après-midi, vous allez la découvrir avec le voile qui va progresser, surtout en direction de la côte vendéenne, avec toujours ces filaments nuageux, ce voile de cirrus qui sera très fin, donc résultat, la luminosité, elle, sera importante. En revanche, sur la barrière pyrénéenne, c'est vrai qu'il y aura un peu d'instabilité, des nuages qui devraient bourgeonner au fil des heures. Résultat, en fin d'après-midi et en soirée, peut-être une petite ondée au programme, toujours le vent dans la même direction, puis un peu de vent dans les Bouches de Bonifacio jusqu'à 50 km à l'heure. Alors, que dire, ailleurs, que dire, pas grand-chose, ce sera toujours un ciel parfaitement clair, bien dégagé. Parlons des températures, les voici avec au réveil des valeurs très contrastées, autant que là où le ciel sera clair, c'est d'ailleurs sur le massif central, mais pas que, hein, mais là ça descendra jusqu'à moins 1 degré. Mais dans l'ensemble, les températures remonteront, pas de crainte de gelée matinale. Localement, vous le voyez pour la basse vallée du Rhône, des températures qui seront très agréables jusque vers la baie de Seine, où on sera à 9 degrés du côté de Sainte-Adresse et du Havre, les 3 degrés attendus pour Bourges, 4 degrés sur la Franche-Comté, même température que pour le nord de la Corse, du côté de Bastia. Et puis on atteindra, tout comme à Honfleur, eh bien les 9 degrés du côté de Nice. Dans le courant de l'après-midi de demain, une fin de semaine qui sera extrêmement douce avec des valeurs stationnaires. Je disais que les températures vont augmenter, en tout cas elles seront plus élevées sur les régions du nord-ouest comparativement à aujourd'hui. On devrait gagner un petit degré, vous le voyez, Rennes, 20 degrés au thermomètre, mais même température du côté de Saint-Nazaire. Un petit 16 pour le nord-cotentin, 19 degrés pour la capitale. Et puis au sud, les 21 degrés pour le Dauphiné ou encore la basse vallée du Rhône. Et puis toujours ce léger bémol, bien que au-dessus des températures de saison, 16 degrés prévus du côté de Perpignan. Et alors on a de la chance parce que figurez-vous que ce beau temps se maintient pour le week-end. Vous avez déjà soufflé il y a quelques instants, oui, la réponse. J'avais déjà vendu la mèche. Le ciel est bien dégagé, vous le voyez, pour la journée de samedi. Le voile nuageux présent des Pyrénées jusqu'au golfe de Gênes, avec localement quelques ondées qui pourraient se déclencher sur le relief des Pyrénées. Alors c'est plutôt par évolution diurne, c'est-à-dire en deuxième partie d'après-midi, quand le soleil chauffe un petit peu, forcément les nuages bourgeonnent un petit peu. Le vent toujours, 70 à 80 km à l'heure, vous le voyez, les températures. Peu de changements, peu de variations. 19 au nord, 19 au sud et toujours très homogène, très doux pour la journée de dimanche. Journée bien printanière, 19-20 degrés, même si déjà quelques stratus, quelques nuages bas. Vous voyez, c'est un plafond assez bas. Les éclaircies seront plus courtes en allant du nord-cotentin jusque vers les Flandres. Ailleurs, on va retrouver du soleil, toujours les déclenchements d'ondées sur le relief des Pyrénées. Et puis le voile nuageux qui occupera le ciel sur les régions du quart sud-est. On passe au début de semaine prochaine. Alors, regardez le temps pour la journée de lundi. Ça reste encore très ensoleillé pour la journée de lundi. Quelques cumulus près des côtes de la Manche. Situation très calme, sans vent a priori. Les températures, grande douceur au programme, 19 au nord, 20 degrés en moyenne pour la moitié sud. Et puis pour la journée de mardi, là, progressivement, ça va s'ennuager. Alors discrètement, dans un premier temps, on va retrouver de belles éclaircies pour les régions les plus au nord. Au sud, ce sera un mélange avec quelques bourgeonnements nuageux, puis un voile nuageux, parfois assez dense, qui pourrait occuper le ciel. Et puis le vent de secteur, vous le voyez, sud-sud-est, devrait apporter pas mal d'humidité sur une bonne partie de l'Occitanie, jusque vers le sud du Massif central, avec localement une petite ondée, mais prioritairement sur le relief. La suite de la semaine, journée de mercredi et de jeudi. Bon, là, les nuages vont s'inviter en milieu de semaine prochaine. Vous évoquiez la baisse des températures et le retour de la choucroute pour la semaine prochaine. Ce sera le cas. 13-16 degrés pour la journée de mercredi. On terminera sous mois de mars avec une couverture nuageuse assez importante, quelques déclenchements d'ondées. Les éclaircies résisteront encore sur les régions du nord et du nord-ouest. Et puis, ce sera plus encombré du golfe du Lion jusqu'aux Pyrénées avec des pluies faibles mais plus régulières. L'évolution pour la journée de jeudi, là, ça s'ennuage considérablement sur la plupart des régions.
Nuages bas sur le centre-ouest, vous le voyez, quelques averses tout au nord, température en baisse encore 11-15 degrés vendredi et samedi. Regardez l'évolution avec la prévision à 8 et 9 jours. On va retrouver pour ces deux journées, on a ou pas si elles arrivent un jour, les voilà. Les demandes, elles arrivent, voilà. Des averses sur la plupart des régions, ce sera un peu plus lumineux près de la Manche, le long de l'océan, le soleil en Méditerranée, les températures 11-15 degrés, 12-16 pour la journée de samedi. Vous le voyez, le soleil, il faudrait aller en Méditerranée, le retour de la neige en montagne. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 24 mars, on va gagner précisément 3, 4, 5 au pif. Et on fête Catherine de Suède, dis donc. Sainte Catherine de Suède. Allez, on se retrouve demain dès 12h55 en direct. Bonne journée à tous sur France 3. À demain.